Trop tard, une fois de plus, héros. Viens à la porte de bronze. Nous avons un différend à régler. Cool. Vous recevez une nouvelle quête. Ouais, bah avant j'ai dépensé mes points d'expérience, hein, parce que je pense que j'en ai pas mal en stock depuis... Ah ouais, j'ai pas redépensé de points depuis qu'on est arrivé dans Snowspire, je crois bien. Donc il est grand temps d'en redépenser. Alors, ouh, oui, en effet. Alors, on va... Qu'est-ce que je me souvienne de ce que j'aurais pu... Moi, c'est vachement français ce que j'ai dit. Qu'est-ce que je me souvienne de qu'est-ce que j'aurais besoin. Alors, il me faudrait, je pense, bouclier physique, ça serait bien. Si je retrouve où il est... on va mettre le multifrappe aussi. Foudre, non. Physique. Bouclier physique. Physique, bouclier physique, ça paraît normal. Jeter. Voilà, niveau 3. Je peux pas plus. Suite dans l'adresse. Non, pas intéressant. Force, s'il te plaît. Voilà, vigueur, c'est toujours bon à prendre. Non, je peux pas plus. Non, ouais, c'est tout. Allez. On se prépare psychologiquement et on y va. Alors... Merde, j'ai rapproché la caméra. Donc, qu'est-ce que c'est qui se passe? Pourquoi il y a deux points verts? Églantine est faux. Bah, tu vas voir ce qu'ils veulent nous dire. Maintenant, allez à la rencontre de votre destin. Ok, je présume qu'Églantine a quelque chose aussi passionnant à dire. Vous pouvez y arriver. Je n'avais jamais combattu aux côtés d'un héros comme vous. Il n'y a rien que vous ne puissiez accomplir. Ok. Je vais peut-être mettre cela comme ça. Et puis bah c'est parti, on va voir ce que ça donne. Espérons pas galérer comme un porc comme les derniers combats qu'on a fait. Folie d'Arco. Ça, c'est du nom. Ah, te voilà. Une longue attente. Mais je savais que tu viendrais me libérer. Tu n'es qu'un pantin. Tu n'en as jamais assez de te faire manipuler. Je suis immortel. Les dieux et les démons que tu crains et adores ne sont rien pour moi. Effectivement, ça tient pas trop du confond d'Inde. Terrassé, Jack of Blade. Ouh! Ouais, sauf que Jack of Blade, là, c'est un peu un dragon. Alors, je sais plus du tout comment ça marche avec ce combat. Ok, je fais comment pour esquiver ça là? Oups! Pas
passer ce con. Cette chaleur, ces flammes, comme le jour où Ogval a brûlé. Ah d'accord. Genre... Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Cool comme combat. Juste 30 secondes pour que je règle un peu mes compétences, parce que manifestement au corps à corps ça va pas le faire. Ok, le bug. Je... Ah, ça persiste. Cela. Plus de flèches assignées. Celui-là, ouais. Excusez. Machin divin, je sais pas quoi, il va pas servir à grand-chose, je pense. Ce qui est passé. Il est là. Tu ne te rends pas compte. Aïe. Aïe. Ah mais caméra qui se rapproche, con. Albion va brûler. Tout ce que tu as accompli était vain. Je le sens mal ce combat, je sens qu'il a duré des pompes pour rien. Oui, ce ralentissement, ça ne fait pas du temps au final. Tu ne comprends pas, je n'aurais jamais pu quitter cet endroit sans ton aide. Alors, qu'est-ce qu'il fait, japonais? Et... mange-toi ça. Wouhou, des invocateurs, génial. Ça, ils ont pas l'air trop costauds. C'est pas les invocateurs, c'est tout, en fait. Merde! Il part derrière. Comme un gros lâche. Puis en plus, il se barre juste au moment où je commence à tirer. Heureusement que j'ai plein de bouffe pour faire mon cheat à la con. Sinon, je pense que ça fait longtemps que je serais déjà mort. Ah oui, il se rebat. Où est-ce que tu te casses, ville lâche? Merde. Oh, bon, c'est le bouclier physique. D'accord, j'aurai des potions de mana, s'il te plaît. Ça te dérange pas de sortir ton épée aussi? Ah, mais je vois rien! J'entends dire pouf. Ok.
génial. Encore mieux. Sors ton épée, crétin! Mais non, mais je veux pas d'expression, je veux me bouffer des carottes. Ah mais ça, c'est le pavé numérique de la Xbox 360, il est pourri. Le pavé numérique, qu'est-ce que je raconte? Le pavé... Croix directionnelle. Allez, vas-y, je me fais cramer la gueule façon barbecue. Ah mais je suis de héros, génial. Ah puis il reste plus beaucoup de vie encore. Merde, mais je fais comment pour esquiver en ce cas cette merde? Si c'est mon escalier, je suis pas à l'abri. Bon lui de toute façon il me fait faire mal. Tiens lui d'ailleurs. J'aurais fait avoir du épée des pommes et du lait, mais bon, on va faire avec ce qu'on a. La classe. Le combat n'est pas terminé. Vous devez détruire le masque. Quoi qu'il arrive, ne le mettez pas. Porte-moi. Porte-moi. Et les dieux envieront tes pouvoirs. M'entendez-vous? Vous devez vous débarrasser du masque. Porte-moi, et le monde sera à tes pieds. Écoutez-moi, détruisez le masque, vite! Bon, on va le jeter. J'ai jamais essayé de le porter, mais... On verra bien, de toute façon, vu que je vais vous le refaire mais en mal, cette, ce passage-là, comme d'habitude, puis il y a quelques temps.
magnifique qui se relance, ça ressemble à rien. Ce fut un combat qui marqua les esprits pour des siècles et des siècles. Le jour où le héros Tocqueville tua Jack of Blades, le dragon. Le jour où l'étrange créature au masque fut enfin bannie de ce monde. Et si notre histoire doit s'achever ici, même les plus optimistes savent que le combat entre le bien et le mal est loin d'être terminé. Quant au sort de la guilde et de ses héros, cela est une autre histoire.